Hey what's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Destiny, voilà la mise à jour arrivée cette nuit, je me suis empressé de lancer le jeu donc du coup ce matin, il y en a beaucoup qui m'ont tweeté et du coup alors j'ai des petites infos à vous montrer alors tout d'abord... Les, les ornements, je vais vous montrer tous les ornements des armes qu'on connaissait déjà, bien évidemment, il n'y a pas encore les armes euh, dans l'inventaire, les armes du, du nouveau DLC. Il y en a certains qui ont réussi à, lo à looter le pistolet qui s'appelle l'intrus, je mets le screen à l'écran. Donc voilà, si vous êtes joueur avec vos engrammes exotiques, vous allez essayer de, de l'obtenir perso. Moi, j'ai ouvert deux engrammes, un engramme d'armes secondaires, j'ai essayé, je ne l'ai pas eu, du coup, j'arrête. Et j'ai ouvert également un engramme de bottes exotiques. il faut savoir parce qu'en en fait, on m'a dit que les engrammes exotiques de bottes étaient les seuls qui vous faisaient monter en lumière. Et j'ai essayé, vous allez voir, regardez bien mes bottes. J'ai infusé, hein, j'avais looté les jambières de pèlerin, Je les avais looté en 338. Vous voyez, mes bottes sont à 338. Bon, là, je pourrais pas monter plus haut, mais voilà, faut savoir qu'apparemment, qu à 14, ça ne marche pas. J'ai pas essayé de toute façon. Je vous conseille vraiment d'attendre quand même la sortie de Rise of Iron. Là on peut pas looter toutes les armes évidemment ça va être un bug au niveau de l'intrus. Mais, euh, mais voilà, du coup je vous conseille vraiment d'attendre. Moi j'ai juste essayé pour voir et du coup vous voyez j'ai looté quand même jusqu'à 338 au niveau des bottes. Allez, c'est parti, je voulais également vous montrer les nouveaux ornements. Alors les ornements, vous allez voir, il n'y en a pas sur toutes les armes. Mais il y en a des assez sympas, il y en a que j'aime moins. Évidemment, on ne connaît pas les ornements des futures armes du, de Rise of Iron, puisqu'elles ne sont pas encore sur les plans d'armes exotiques. Et de toute façon, il faudrait les looter pour pouvoir les voir. Allez, on va commencer tout d'abord par la super cellule Zalo qui a donc deux ornements. Alors les ornements, comment les avoir déjà Il faut de la poussière d'argentum. La poussière d'argentum, vous en aurez en ouvrant les nouveaux trésors radiants et euh, chez Xur apparemment également. Et comment on a également l'ornement On pourra l'échanger contre de la poussière d'argentum chez Xur ou on pourra également les looter dans les trésors radiants. Donc voilà, tout va se jouer au niveau des trésors radiants et de Xur. Alors peut-être qu'on aura aussi l'occasion, je ne sais pas, d'en looter en nuit noire voilà, ça je sais pas, je préfère pas l'affirmer, mais je serais pas... Euh, ça m'étonnerait pas, voilà, qu'on puisse en looter dans les nuits noires. Donc allez, c'est parti, on va commencer avec la super cellule Zalo. Donc deux ornements, le premier qui s'appelle pas un jouet, alors attendez, parce que... Hop voilà, un petit peu un camouflage militaire, c'est pas mal, ça va bien avec cette arme qui ressemble un petit peu, je dirais, à une AK-47, donc c'est vrai que ça va pas trop mal dessus. Et la deuxième qui s'appelle risque de décharge, donc un côté un peu plus électrique, bon ça va, sur cette arme-là, franchement, j'aime beaucoup, c'est assez sobre et ça passe plutôt bien. Ensuite, bon, il y a des armes qu'on connaissait déjà, je vais vous, vous les montrer quand même, il y a la Monte Carlo avec le Super Espion. Celui-là, j'adore. Il est vraiment. J'aime beaucoup. Le noir et le rouge, ça va vraiment très bien ensemble, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais j'aime beaucoup. Et on a le deuxième qui est Quinte-Flush Royale. Voilà. Tout en or avec un petit peu de noir. Franchement, c'est joli. J'aime beaucoup. Franchement, les deux ornements sur la Monte-Carlo, je les trouve vraiment très réussis. Ils vont très, très bien. On a également le rapace qu'on connaissait déjà. Donc, même chose. Je vais, euh, je vais vous montrer un petit peu euh, ces ornements. Donc, on a le premier Charogne. Alors, j'aime beaucoup celui-là. Moi, je suis un grand fan de Walking Dead, les, les zombies, tout ça. Et je trouve cette arme, elle est vraiment super stylée. Avec les traces de sang, j'aime beaucoup. Euh, voilà, je la trouve vraiment vraiment stylée. Et le deuxième qui est Clair de Lune. Voilà, Clair de Lune. Donc, assez joli. J'aime beaucoup. Franchement, il passe bien. Les deux ornements sur le Rapace Noir me plaisent énormément également. Donc, allez, on va passer sur une autre arme, l'Amida. Donc, celle-là, vous la connaissez pas. Hop donc, le premier, unité spéciale, alors voilà, l'arme tout en noir, très sobre, franchement, c'est clean, un peu de carbone, ça fait un petit peu un, un côté carbone, j'aime beaucoup, franchement, également, et survivaliste de l'Arctique, donc là, voilà, pas de, hein, ça va bien que le nom, Arctique, c'est blanc, voilà, ça fait penser un petit peu aux, aux opérations spéciales, euh, voilà, c'est pas mal, c'est assez stylé, voilà, les deux tournements, ils passent bien, ils sont assez sobres, vous allez voir plus tard, il y en a, ils sont vraiment, bah, tiens, vous allez voir maintenant même, allez, c'est parti, c'est le Télesto, alors là, les gars... Regardez-moi ça. Ordre de la reine. Bon, évidemment, ordre de la reine, Ire de la reine. On peut voir également sur l'arme le logo de l'Ir de la reine. Mais franchement, c'est moi j'aime pas. Hein, franchement, tout violet comme ça, je trouve ça horrible. C'est vraiment horrible. C'est vraiment pas la couleur que je préfère. Alors, je pense par contre pour les filles, elles vont bien aimer. Je pense que les filles, vous allez bien aimer euh, ce tournement-là, peut-être. Hein, je dis peut-être parce que voilà. Mais voilà, celui-là, limite, il passe mieux. Mais celui-là, franchement, moi, il m'a fait penser direct à un truc. Vous voyez, ça me fait penser à Call of Duty. Les, les, le camouflage qui est en train de, de bouger comme ça, ça me fait grave penser à Call of Duty, je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui jouent à Call of Mais voilà, le, on voit le camouflage qui évolue tout le temps, enfin voilà, voilà Après, sur la Telesto, je trouve que c'est pas si bien réussi que ça, je suis pas vraiment fan L'invective, alors l'invective, il y en a un qui est beau, donc c'est celui-ci, Foudre de l'orage, vous allez voir, il est vraiment magnifique L'arme a pris un coup d'orage un coup, un coup et elle a explosé et franchement, ça fait stylé, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup et le deuxième, le deuxième qui est plus sobre, classes, Voilà, il est un petit côté rouge Bordeaux. Bon, ça passe bien, c'est plus ça, Mais le premier, j'aime beaucoup. Hein. Foudre de l'orage, franchement, c'est mon petit coup de cœur. Franchement, j'aime beaucoup. Et ensuite, la dernière arme. Alors, vous allez voir là également, ils ont fait un camo, les gars. Donc, c'est euh, le, le vérité, pardon. Le vérité avec cœur d'or. Donc là, tout en or. Alors là, là t'es pas discret avec ça. Là, en PVP, tu tires une roquette, on te voit à 15 mètres. mais... Moi, ouais, voilà, y il en a qui vont aimer, hein. C'est pas vraiment mon, mon kiff, après bon... C'est vrai que ça fait, ouais, ça fait assez joli quand même, mais bon, c'est vrai que sur une arme comme ça, autant sur une petite arme, un revolver, ça peut passer crème, mais autant sur un lance-roquette comme ça, qui est assez gros, bon... Et le deuxième prototype, qui lui, est beaucoup plus sobre, à la limite. Mais à la limite, je préfère encore le camouflage d'origine, vous voyez Voilà. Voilà en tout cas on a fait le tour des nouveaux ornements, enfin des ornements, des armes qu'on connaissait déjà, donc bien évidemment il va y avoir des nouveaux ornements avec les armes qui vont arriver pour Eyes of Iron. Euh, on peut pas les connaître parce qu'évidemment il faut looter l'arme pour pouvoir voir les ornements Mais voilà dès qu'on en saura un peu plus qu'on aura looté une arme et eh bon on n'hésitera pas à vous partager un petit peu cette info En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Ne vous inquiétez pas beaucoup vont attendre le contenu euh, de la mise à jour qui est sortie Alors il y a vraiment énormément de changements euh, Notamment en PVP alors il y a beaucoup d'armes qui ont changé Le sniper alors hier j'ai reçu pas mal de tweets euh, de la part de, de certains d'entre vous qui me disaient voilà le sniper il a été baissé c'est de la merde hein. Alors apparemment ils ont vraiment beaucoup rabaissé le sniper euh, Donc voilà c'est Lady qui va vous préparer cette vidéo Moi j'ai pas en trop, encore trop regardé Je vais aller regarder un petit peu le détail Mais je sais qu'au niveau des snipers en tout cas beaucoup se sont plaints Voilà en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Quant à moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt sur Destiny ou sur Call of Duty pour ceux qui nous suivent aussi pour le mode zombie Puis je vous dis un très bon week-end à tous Prenez soin de vous les potes Tchuss